Coucou tout le monde, c'est Emma et aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode numéro 4 de Inazuma Eleven Go vs... Ah putain quoi, j'ai ce VS dans la tête, c'est juste pas possible. Inazuma Eleven Go, lumière. Voilà. Voilà, voilà. On va parler à toi. Cette OST, elle est bien là. Ah. Oh le. Bon, je tourne déjà cet épisode et il y a que l'épisode 1 qui a été uploadé pour l'instant. Pourquoi? Ben pour la simple et bonne raison que il y a mon programme, j'utilise Camtasia Studio 8. 8 et du coup j'ai fait une mise à jour il n'y a pas si longtemps que ça. Petit bateau. J'ai fait une mise à jour il n'y a pas si longtemps que ça et depuis le programme n'arrête pas de bugger. Du coup j'essaye de voir comment je vais résoudre ce petit problème, mais ouais non, je sais pas. Ne me dites pas qu'on va s'entraîner avec les KFT hein. C'était plutôt easy, hein. Viens à nous, oui. Et on martèle le bouton A. Qu'est-ce que c'était cher, 7 points de motivation. Waouh. Ah, vous voilà enfin! Je vous présente vos nouveaux adversaires, l'équipe Inazuma KFT. Salut, moi c'est Felix Higgins. Bon, j'arrête directement. C'est génial de pouvoir jouer avec des... What? Redémarrage dans 14 minutes 56 secondes. Non, 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 non. Votre PC doit... Mais qu'est-ce qu'ils font chier, quoi? Comment on annule ça? Ben on se connaît, non? C'est une blague, pourquoi il faudrait qu'on joue avec des demi-portions, on va leur marcher dessus? Ah, tu crois ça? Tu aurais tort de nous sous-estimer. Alors comme ça, vous êtes des joueurs de Raymond. Je suis Steve Grimm, de l'entraîneur des demi-portions, comme vous dites. Et je me présente, Maddy Moonlight, j'entraîne l'équipe Poussin Inazuma KFT. Moi aussi, je suis sûr que ce match va être très intéressant. Croyez-moi, si ces petits démons ont intégré notre équipe, c'est qu'ils sont vraiment bons. Nous ne prenons que les meilleurs. Oui, je sais. Moi aussi, j'ai voulu intégrer cette équipe, mais je n'ai pas réussi votre épreuve de sélection. Elle était vraiment difficile. Vous devez être vraiment fort si vous avez réussi à les passer. Toute opportunité de s'entraîner est bonne à prendre, n'est-ce pas? Bien. Jouez de votre mieux et ne managez pas, Arion. Eh, Samgook, tu veux jouer contre eux? Bien sûr. Et pourquoi pas, au moins ça nous changera du collège. Et puis toute occasion de jouer tous ensemble est bonne à perdre, à prendre, pas vrai? Allez quoi, demain nous jouerons peut-être blablabla, parler à Steve avant le match. Et il faut quand même avouer... que lui il est devenu bien dégueulasse au fil des années, mais l'autre là m'a dit... Oula. Comme ça? Oui. Ok. Raymond et Inazuma KFT. Bon. Done by... Oh putain, ce joueur-là, juste pour son nom, je l'adore. Riverside. Si j'y pense, je mettrai l'OST. La musique. Qui s'appelle Riverside, qui est
pas extraordinaire. Ah, la formation s'appelle Bac à sable. Ok. Terrain de la rivière. D'ailleurs, on vient de voir hymne d'Athéna, qui est normalement au tir balistique, qui est normalement une technique qui se récupère très tard dans le jeu, comme tir balistique aussi. Donc, merci de nous spoiler tous les noms des techniques. Non mais il y en a aucun qui va aller sur lui ou quoi? Putain, mais moi je pensais qu'à un moment il allait la passer ou quoi? Excusez-moi. Putain, j'en ai marre de tout le temps de voir. C'est parti. Oh merde. Non, lui, il perd d'office. Vu qu'il est type plante. Oh, mais c'est parfait. Merde. Oh. Oh, et du coup, Gabi est aussi dans le... Bon, il va s'arrêter un moment, oui ou non? Oh putain, il est... Oui. Ah mais ça c'est la première bonne passe d'aujourd'hui. Hein. Oh merde, il a pas encore son tir. J'ai plus d'internet. Non, c'est jeu. Oh là, bien. Non, il n'y avait pas. Menteur. Oh. Oh, 52-52, j'ai gagné du coup.
goal. Pas mal, hein? Non, pas mal. Ouais, ouais, pas mal. Non, ce n'est pas grave. Si, c'est grave. C'est la fin de la mi-temps, ne vous cassez pas le cul. On va vraiment jouer tout un match entier. Mais ouais, je sais pas, les joueurs sont déjà fatigués, quoi, c'est un peu nul. Pourquoi Serpent à sonnette, il l'a pas encore, et pourquoi surtout, ce n'est pas un tir L? C'est quoi cette passe? Ils font des passes merdiques, mais beaucoup trop fortes, en fait. Oh, le Didoug. Continuons comme ça. Mais regardez, tous mes joueurs sont fatigués, quoi. Allez, ça sert plus à rien. Oh, connard. Wanli reste calme. C'est pas toi qui va aller au duel. Ah mais merde, mais il est fatigué. Et Roof, il est encore cool, hein, avec sa petite casquette là. Et non, ça dans Yugo 2 et Yugo 3, je l'aurais eu. Cours, 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 cours. Eh, mais bordel! Ah, tu l'as. Merde. On a un double, mais lui, il est de type. Ok. Super, parfait. On a un double. Non, mais merde, mais la pire passe que j'ai jamais... Il est beaucoup trop lent. Ouais, bon, maintenant ça devient injouable, quoi. Ils sont tous fatigués. On va laisser un peu jouer la défense, hein. Ils n'ont encore rien fait. Putain, mais lui-même fatigué, il reste bon. C'était quoi cette passe? Quel bras cassé, quoi, il va même pas courir jusqu'à la balle qui est 2 mètres devant lui, quoi. Qu'est-ce qui a été chouette la deuxième mi-temps? Vas-y, Subaru Honda. Allez. Merci. Ah, c'est dommage, ils étaient enfin passés. Victoire. Allez, qu'est-ce qu'on drop? Tourbillon aquatique, super.
Je suis heureux de constater que vous faites honneur à Raymond. Raymond, j'espère avoir à nouveau l'occasion de vous voir jouer contre nous. On voit qu'il aime vraiment jouer au football, même tout seul il s'entraîne. En tant que capitaine, je devrais l'aider, même si notre équipe est au plus mal. Ça va être un match difficile sans aucun doute, mais je sais que vous ferez honneur à notre école. On va vous encourager de bout en bout. Sa détermination est un exemple pour nous tous, mais parfois il faut plus que de la volonté pour obtenir des résultats. C'est bizarre, j'ai l'impression qu'on me regarde. Ah non, c'est bon pour aujourd'hui, tu devrais rentrer te reposer, il faut que tu sois en forme pour le match de demain. Tatatam. Pas très clair. Ok. J'ai compris, vous voulez pas de moi, c'est ça? Mais en fait, je vais aller où, moi? Je vais aller par là. Quel con. Quel con. Bon. Ça fait combien de temps qu'on est ensemble? Eh ouais, que la vidéo dure quoi, vous m'avez compris. Oulala. Attends, ça c'est... Ah oui, ça c'est celle de 40 minutes, puis on a celle... Ok, et ça c'est 49, ça fait 11 minutes, plus... Et 6 avant, ça fait 17, environ, plus ou moins. Oh merde, je peux pas te parler toi. Merci. Arion, mais que t'est-il arrivé? Tu as écorché de la... Tu es écorché de la tête aux pieds. Oh, ne t'inquiète pas, tante Sylva, c'est juste l'entraînement. Rien du tout. Je vois. Tu prends tout ça très au sérieux, pas vrai? Allez, viens, il faut désinfecter tout ça. Eh bien, bonsoir, Sky. À demain. Oh, avant que j'oublie, tu sais ce que Mademoiselle X m'a dit au sujet de Lars et de Sven. Elle m'a dit que c'est Victor qui a raconté à tout le monde qu'ils avaient manigancé avec les surdoués. Ah, mais pourquoi il aurait fait ça? Je n'en suis pas sûr, mais j'ai l'impression qu'il essaye de nous monter les uns contre les autres. Enfin, je me trompe peut-être. Quoi qu'il en soit, repose-toi bien ce soir. Demain, tu auras besoin de tes forces. Bonne nuit. Attends déjà. Ok, c'était un SMS. C'est pas grave. Le jour du match. Bon, pendant qu'il s'entraîne, je vais vite aller prendre mon truc. Je peux vous aider? Oh, désolé, je ne voulais pas déranger. Oh, il a une voix super! Oh mon Dieu, sa voix! Oh mon Dieu! Oh mon Dieu, sa voix est juste magnifique. Tu fais partie du club de football de Raymond? Oui. Non mais comparé à sa voix de l'animé, c'est juste magique quoi. Je m'en doutais. J'ai l'impression de faire un saut dans le passé. Hein? Monsieur! J'arrive tout de suite. Eh bien, bon courage, entraîne-toi bien. Oui, merci. Je me demande ce qu'il voulait.
Bon, j'espère que vous vous sentez tous en forme pour affronter le collège des surdoués, bla 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 bla. Vous avez entendu ? Ricardo Di Rigo vous rejoint. Super, j'ai hâte de savoir comment ce match va se terminer. Allez, je sais comment il va se terminer, mais comment il va se passer plutôt. Oh, oh, oh. C'est un peu chiant qu'on n'avait pas d'appareil photo directement dans le jeu, comme ça on... Allez, j'aurais dû bien regarder toutes les zones. Mais bon. Regardez comme par exemple... Non. Moustique. Pa-pa-da-da. Je parie que dans l'infirmerie il y en a une photo. J'ai l'œil pour ça. Merde. Et le vieux. C'est exact, Arion. Ceci est la caravane Inazuma. Nous l'utiliserons pour tous nos déplacements. Et ce sera moi le chauffeur, tout à fait. Parlez à monsieur vétéran quand vous êtes prêt. Mais je le suis. Oui. Alors vous pouvez monter à bord. La carte est désormais disponible. Appuyez sur Y pour l'ouvrir, puis sélectionnez un lieu. Super. C'est cool, hein? C'est con, mon beau. Collège des surdoués. J'entends déjà écrit des supporters, ils doivent être trop nombreux. Ça c'est, je pense, Eito Gakuen, même si je n'en suis pas sûr du tout. Inchi. Comment ça? Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Eh ben, je sais pas, vu que j'ai pas lu. Le match est sur le point de commencer. Là, ils ne sont toujours pas là. Malheureusement, j'ai une mauvaise nouvelle. Lars et Sven ne viendront pas. Ils ont laissé un mot dans la caravane pour dire qu'ils quittaient l'équipe. C'est vraiment minable. Comme c'est impossible. Ça te surprend, moi non. Je voyais bien qu'ils étaient prêts à nous lâcher. Et moi aussi. Coach, et si on demandait à Blade de jouer? Non. Marion JP, mettez-vous vite en tenue. C'est vous qui allez jouer. What? On va jouer pour de vrai? Alors ça c'est vraiment un coup de chance. Enfin, on va jouer au football. Nous avons nos consignes de jeu, nous devons perdre de toute façon. Alors on s'en fiche un peu que des débutants nous rejoignent. Mais ces deux-là n'ont pas l'air d'avoir compris que c'est plié d'avance. Vous croyez qu'on devrait leur dire? Non, ils sont contents de pouvoir jouer. Ne gâchons pas leur joie. Ils finiront bien par s'en rendre compte de toute façon. Allez, affrontons-les. Plutôt. Oui, je suis prêt. Oui, ça fait. Thank you.
Et j'ai envie de mettre Victor. Pas vu. J'ai que des bras cassés, moi. Entends, sur le banc, par Victor. T'es tellement entraîné pour pouvoir jouer un match comme celui-ci. Oui, d'accord. Je ne sais pas quelle était la deuxième partie de son de sa phrase. Dans le stade où vont aujourd'hui s'affronter le 11 de Raymond et l'équipe des surdoués en match amical. Regarde dans les gradins, tout ce monde. Oh, c'est impressionnant. Oh oui, j'aurais presque envie d'être ailleurs. JP, tu vas être à la hauteur. Toi aussi, tu t'es entraîné dans l'espoir de faire un match comme celui-là. Tu verras, tout va bien se passer. Allez, nous allons jouer au football. Tu as raison, ne perdons plus de temps, allons-y. C'est la voix de Luc. Bon, appliquons la théorie de la mesure. Franck, tu as marqué la dernière fois, alors aujourd'hui, Mo met 2 buts en première mi-temps. Je ne peux que m'incliner devant cette logique. On y va. Là, on l'a trop bien vu. Hein. Bon, il s'appelle comment l'entraîneur là ? Oh merde. Pas le nôtre. Lui. Jefferson. Ok. Collège des surdoués. Ok. Tatatam. Magnifiquement bien joué. C'est parti. Qu'est-ce qu'il est rapide, il est déjà devant le gardien. Arrête ça. J'ai encore jamais vu rattraper quelque chose cette technique. Tellement elle est nulle. Incroyable, il a réussi à l'arrêter, il faut que je récupère la balle. Oh merde. Easy. Ah, et Arion, fais attention, tu risques pas de garder le ballon si tu regardes même pas où tu vas. Moi, ouais, Sarah du collège des sourdoués a pris la balle au jeune Sherwin et se dirige maintenant droit vers les buts adverses. Quel talent. Capitaine, tu peux y arriver. Oh là là, Dirigo n'a rien pu faire devant l'attaque éclair de son adversaire. T'as petit pain. Oh, quoi? Mais comment il est passé? Ah, oh non, il n'y a plus personne pour défendre. But, et le collège des surdoués marque le premier but de cette rencontre qui s'annonce passionnante. Oui, allez. Je comprends pas. Mais comment il a réussi à marquer? Je ne pensais pas que les joueurs du collège des surdoués étaient aussi forts. Capitaine, ce n'est pas grave, ce n'est rien qu'un but. Nous pouvons encore gagner si tout le monde reste concentré sur le jeu. Bon, j'en peux plus de ces commentaires. Quelqu'un lui explique ce qui se passe ou c'est moi qui vais le faire? Mais non, mais le pire, c'est qu'à cause de ça, je peux même pas marquer un but, hein. Ah, merde. Oui, et moi, je pensais qu'il était déjà là, Doug. Oh, putain, le bras cassé, là. Bien joué, JP. Bien sûr, personne du coup prend la balle. Le match se poursuivait sans que nous arrivions à revenir au score.
Merde, Tenma. What the fuck, ses yeux. Arion. Il a gagné contre un joueur type vent. C'est parfait, c'est magnifique. Et but! Les surdoués confirment leur supériorité. Mais capitaine, pourquoi on s'attaque pas? On n'attaque pas. Enfin, Sherwin, on dirait que tu commences à comprendre. Il était temps quand même. Rien ne sert de courir, il faut marquer des buts. Si on continue comme ça, on va gagner le match. Encore un petit effort. Kirby qui fait semblant. Tenez les garçons, prenez quelque chose à boire, vous l'avez bien mérité. Capitaine, mais qu'est-ce qui se passe? On dirait que personne dans cette équipe n'est motivé. Je suis certain qu'on pourrait les battre facilement. Alors pourquoi vous n'attaquez pas? C'est à croire que vous le faites exprès. Ah, c'est que nous les laissons gagner, Arion. Quoi? Mais... qu'est-ce que vous racontez? Le score a été décidé à l'avance. Raymond doit perdre 3-0. C'est ce qu'on appelle le football régulé. Pour certains matchs, le cinquième secteur nous communique ses consignes de score. Ainsi, l'issue de ce match est déjà décidée. Alors le match est complètement truqué? Mais pourquoi? Ces dernières années, le football est devenu le seul critère sur lequel une école est jugée. Si une équipe perd, l'établissement qu'elle représente en pâtit. Les consignes de score permettent d'assurer une certaine équité. Nous coopérons pour conserver la réputation du collège. En effet, aujourd'hui, nous devons perdre. Mais nous gagnerons d'autres matchs. Tu dois être très déçu, Arion. Mais voilà ce que le football est devenu. Seuls les initiés sont au courant de la situation. Mais ce n'est pas ça, le football. À quoi ça sert de jouer si c'est comme ça? Je n'arrive pas à le croire. Alors vous voulez dire que même si Lars et Sven étaient venus aujourd'hui, ça n'aurait rien changé? Tu comprends maintenant, Arion? Tu comprends ce que nous ressentons quand nous jouons? Nous pourrions très bien marquer, mais nous n'avons pas le droit. Bien sûr que nous voudrions jouer vraiment au football. Mais si on ne respecte pas les consignes, le collège Raymond est perdu. Le cinquième secteur ne donne pas des consignes de jeu à chaque match. Des fois, on peut jouer au vrai football. Non mais le pire c'est que c'est un mec mais il a en plus une voix de fille quoi. C'est terrible. Je ne savais pas. Alors tout ça n'est qu'une imposture en fin de compte. Alors c'est ça maintenant l'équipe de Raymond. Trop facilement... Allez, on voit trop facilement qui c'est. Bon, il est de quel type? Il est de type bois. On n'aurait pas un petit défenseur type feu, là, qui traîne dans les parages? C'est le seul, hein, type feu, d'ailleurs. D'après mes calculs, il nous reste le carré d'un but à marquer pour gagner ce match. Ça n'a pas de sens. Bah oui, le carré d'un, ça fait un. Merde, mais si j'avais su, je l'aurais déjà mis en avant, hein. Oh merde, même si Subaru... Si même Subaru perd... Ah merde, mais c'est en double. Ah ouais, chaud. Ouais. Moi, maintenant, je suis en double. Tiens. Tiens, Kurama. Oh, mais trop puissant ta passe, là. Oh, putain, c'était chaud. Vas-y. Yes, 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 yes. But phénoménal par son attaquant Mozart.
Et voilà. Non, ce n'est pas juste. Ce n'est pas ça, le football. Quand on joue au vrai football, on cherche à se dépasser. On donne le meilleur de soi-même et on joue pour essayer de gagner. Et là, tout ce qu'on fait, c'est faire pleurer le football. Arion ! Je ne peux pas faire exprès de perdre. Je ne peux pas trahir le football. Je vais jouer pour de vrai. Bon, on va directement le mettre en avant déjà. Comme ça, au moins, il pourra vite passer là où il faut. Ah non, c'est Ricardo. Tiens, quelle surprise. Merde, ça c'était une très mauvaise idée par contre. Hein. Laissez lui aller. Ah ouais, je suis en double, wesh. Connard va. Mais connard! Putain, quoi? Toi, tu devais dégager, hein. Voilà. On y était, hein. Oh. Voilà, enfin. Merde. Et là, ils sont en double, donc invincible. JP, il était encore bon, hein. Ouais, regardez, il est bon. Allez, Balzac. Mais merde, mais j'avais pas vu que c'était un de leurs joueurs. Allez, cours, Arion. Vas-y, 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 vas-y. JP, il est bon. Oh putain, il me reste un obstacle avant. Allez, s'il te plaît, Arion. Mais non, mais non. Mais en plus, il va utiliser sa technique. Ah non, il peut plus. Oh. C'est peine perdue. Allez, Subaru. Ouais, bien, enfin. Maintenant, il faut que je la passe au capitaine. Capitaine! Hein? Magnifique passe de Sherwin à Dirigo. Mais Dirigo se fait lamentablement voler le ballon. Aïe, 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 aïe. Belle faute du capitaine de Rem. Ça n'a pas marché. Tant pis, je dois recommencer. Mais à quoi il joue? Pourquoi il passe tout le temps la balle à Ricardo? Je crois qu'il veut le pousser à marquer. Rien ne t'échappe à toi, on dirait. Oh mais en plus mes joueurs sont fatigués à mort quoi. Et ils veulent les faire encore courir quoi. Il est où? Il est où Tenma? Vous voyez... Ah mais il est là. Oh. Espèce de bras cassé à la con. Oh.
Voilà, ça c'est bon, ça. C'est ça l'esprit. Je préfère défier le type terre. Putain, l'œil du voleur. Allez, Ricardo, tu peux le faire, tu peux le faire. You can do it, you can. Allez, Balzac. Oui, ça c'est bon ça. Capitaine. Qu'est-ce qu'il veut à la fin? Incroyable, Dirigo rate encore une superbe passe de Sherwin. On dirait que Dirigo est ailleurs, mais qu'est-ce passe-t-il sur le terrain? Moessar, le petit prodige du collège des surdoués, se lance à la poursuite de la balle. Je parie que JP va l'arrêter. Grrr. Sherwin se place dans la trajectoire du ballon et parvient à l'intercepter. Quelle pugnacité, mesdames et messieurs, c'est admirable. Ah, capitaine, la partie n'est pas encore terminée, on doit continuer. Arrête de courir partout comme un guignol, on a des consignes, tu veux qu'on se mette le cinquième secteur à dos ou quoi? Je suis désolé, mais je ne peux pas rester à ne rien faire et laisser gagner sans me battre. C'est du football, je dois tout donner. Allez. Bloque-le, s'il te plaît, Tenma. Ouf. Ah, mais ils peuvent pas marquer. Hé hé. Yes, le Rugo est marqué. Cavani. Non, mais comment il poursuit mon... Allez. Yes. Allez, capitaine, on doit essayer encore une fois. Allez, maintenant, c'est la bonne, quand même. Sherwin fait la passe à Dirigo, mais Dirigo se laisse à nouveau prendre le ballon. Le capitaine de Raymond nous a pourtant habitué à un meilleur jeu que ça. Allez, arrête, tu ne devrais pas. Ton cerveau est-il tombé dans un hyper espace victoriel? Donne-moi la balle immédiatement. Ah. Par la barbichette de Clyde. Quelle agilité, quelle technique. Je peux pas utiliser le dribble Zephyr. À mon avis, là, il est imbattable. Oh putain, quoi. Ils auraient pu au moins le mettre en... Comment que ça s'appelle dans la version japonaise? Power Max? Max Power, je pense, qui est écrit. À ce moment... Oh! Merde, mais ils ont un double, quoi. Non, j'ai appuyé dessus. Putain. Ah, vas-y Gabi, arrête-le. Allez Wanli, bien joué Wanli. Cours, rayon de merde là. Les mecs, ils ont un double, quoi. Comment tu veux gagner face à ça, quoi? Oh merde. Quoi, il y a eu un coup critique ou quoi?
Vas-y, cours un peu, AD. Putain. Eh mais, oh, il a une technique de dribble. C'est qui ça? C'est Tenma? Non, c'est Ricardo. Cours, toi. Oh non. Bien joué, Subaru. Vas-y, mais cours. Putain. Capitaine! Ah, assez! Bon, normalement, vous devriez m'entendre. Match. C'est con. Hein. Oui, bon, ça va. Hein. Moi, j'ai rien pu y faire. Je gagne même pas de l'expérience. On a réussi. On a réussi. Mais bien sûr que vous avez réussi, Patate. J'étais sûr que vous y arriveriez. Nous ne devions pourtant nous glorifier d'aucun but. Voilà qui provoquera assurément l'ire du cinquième secteur. Qu'est-ce qui t'a pris, Ricardo? Je ne sais pas. Quand Arion m'a passé le ballon, ça a réveillé quelque chose en moi. C'est comme si le ballon voulait que je marque. Comme s'il fallait que je joue au vrai football. Le jour suivant, c'est pas plus facile de dire le lendemain. Samgook, c'est vrai ce qu'on a dit? Pareil que le coach a été obligé de mettre les voiles, c'est pas possible. Il a été tenu pour responsable de ce qui s'est passé hier. Du but marqué contre les ordres du 5ème secteur. Coach, je ne voulais pas ça, je suis désolé, c'est de ma faute ce qui vous arrive, je n'aurais jamais dû marquer. Ah, tu croyais ça? Tu crois ça? Moi je pense au contraire que tu as bien fait. Ce que tu as ressenti en tapant dans la balle. C'était le plaisir de jouer au football. C'est cette sensation qui t'a poussé à marquer un but. Vas-y, marque. Hein? Quoi? N'oublie jamais cette sensation. C'est mon dernier ordre. Coach, attendez. Écoute-moi, Arion. Bientôt, tu auras un nouvel entraîneur. Je veux que tu lui obéisses et que tu donnes le meilleur de toi. Je compte sur toi. Mais c'est de vous que je voulais apprendre le football. Ce que je veux vraiment, c'est jouer au vrai football et devenir un grand joueur. Mais je sais pas si j'y arriverai. Eh bien, il n'y a qu'une seule façon de le savoir. Continuer à jouer. N'abandonne pas ton rêve, Arion. Peut-être qu'un jour, tu parviendras à débarrasser le football de la corruption qui le ronge.
Vous croyez? Quoi qu'il advienne, je veux que tu me promettes de faire de ton mieux pour protéger le football, Arion. Ça, je vous le promets. Le coach Trevis est parti. Phase terminée. Connard. Alors, avons-nous quelqu'un pour le remplacer? Oui, en fait, oui. Le cinquième secteur nous envoie un nouveau coach. Normalement, il devrait être plus coopératif que Trevis. Espérons que le cinquième secteur sache ce qu'il fait et qu'il nous envoie quelqu'un qui nous causera moins de tracas. Oh putain! Oh bordel de merde! Oh bordel de merde! Regardez sur la table! À côté de son ordinateur, c'est Achilles! Un LBX d'Ambul Senki. Oui, c'est Trevis, commence l'opération comme prévu. Et eux, ils programment debout. Oui, c'est tout à fait compréhensible. Même si le coach Trevis n'est plus à nos côtés, il y a encore de l'espoir. Le vent tourne à Raymond. Les choses vont bientôt changer. Nous allons tout faire pour décrocher la victoire. La suite au prochain chapitre, le nouveau coach. Et la suite, ce sera dans le prochain épisode. Merci beaucoup d'avoir regardé ce quatrième ou cinquième épisode. Moi, je vais vous dire au revoir, salut, bonne journée, à la prochaine, au revoir.